اليوم تم التوقيع على اتفاقيه شراكه بين المكتبه الوطنيه للمملكه المغربيه والمكتبه الوطنيه الفرنسيه هذا التوقيع ياتي كتتويج للعلاقات الثقافيه المثمره بين البلدين وبين المكتبتين لان اول اتفاق ثقافي يعود الى 2004 موقع بين المكتبتين حاولنا في خلال هذه الاتفاقيه ان نوسع يعني افاق التعاون بين المكتبتين لتشمل مجالات عديده منها اولا تبادل الخبرات في مجال تدبير المكتبات تبادل كذلك الخبرات في مجال يعني حفظ وصيانة تراث المكتبات وكذلك تكوين الـ 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 يعني الـ المختصين والمدبرين لمجال المكتبات. لاكور que nous venons de signer la bibliothèque nationale de France que je préside. Et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, avec sa directrice, est un accord pour nous extrêmement important. D'abord parce qu'il s'inscrit dans une politique qui a déjà été à l'œuvre pour renforcer les relations culturelles et scientifiques entre la France et le Maroc, du fait de l'action de notre poste, du fait de l'action de la Bibliothèque du Maroc et de la Bibliothèque nationale de France. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que nous mettons en œuvre tous les outils communs autour des ressources numériques, que nous développons nos accords de professionnalisation, que nous développons également un certain nombre d'accords et de relations euh, autour de l'échange de personnel et de stagiaires et de mise en commun de nos ressources patrimoniales numériques. En plus, en accord avec la directrice, nous souhaitons largement développer tout ce qui relève de l'intelligence artificielle et du rôle important de l'intelligence artificielle comme vecteur de la francophonie. Parce que nous savons qu'en termes de francophonie, le Maroc et la France sont toujours côte à côte.